Bonjour, bienvenue à la boutique Parence. Aujourd'hui, on vous présente les produits Assassin's Creed qui sortent vendredi 5 juillet. Tac, et les boosters collector. Donc, on va voir 2-3 trucs pour vous faire voir vite fait. Donc, ça, un deck Boros, un deck Dimir. Donc, deux jeux de 60 cartes normalement. Deux petites deck box en carton pour mettre les decks. Ça sera certainement trop petit pour mettre des sleeves avec. Donc c'est plus pour faire du rangement qu'autre chose. Un petit guide pour la construction et pour jouer. Donc si vous aimez Assassin's Creed Guild et vous voulez essayer le jeu Magic, c'est très bien pour commencer. Les feuilles sont assez jolies, on voit les détails. Et les détails sur les boucliers, tout ça c'est cool. Bon, je peux m'attarder sur. Donc il y a déjà 5 rares là. Je peux trop m'attarder sur les cartes parce que je ne connais pas encore du tout le set. Carrière de pierre, c'est une réédition. Il y a beaucoup de nouvelles cartes en tout cas. Une belle plaine. Une petite montagne. Des tokens assassins. Et des tokens trésors. Alors, le deck bleu-noir. 5-5 pour 5 contacts mortels, déjà ça a l'air pas mal. Joli. Donc encore beaucoup de nouvelles cartes. Ossuaire submergé en reprint. Homicide. Une île, Pirates des Caraïbes. Un marais, je ne sais pas quoi. Et c'est les mêmes tokens. Hop! Donc, ça, c'était les decks. Nous avons les boosters infinis, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. Booster infini, oui. Allez, on va s'ouvrir 4 boosters infinis, un pour chaque acolyte. Voir celui qui a le plus de chance. De la bagarre, de la bagarre. 1, 2, 3, 4. Ouais. Allez, choisissez votre arme. Alors, qui c'est qui a le plus de chance? Le truc qui est compliqué, c'est que je connais pas du tout les cartes. Un très beau marais. Donc le même dessin que le petit marais, mais en extemp art, c'est plus joli. Une rare, une mythique foil. Ah bah c'est Sword blanc noir. Ouais. Du coup c'est pas mal, c'est une bonne pioche. Oh, puis une petite full art. Et je Il y a savais bien pas. des illustrations. Ok. Bon, il n'y en a que 20. Tu vas devoir les prendre. Ouais, non, mais 20 ça va être récupéré pour ma aussi. collection. On va signer. Ah oui, c'est vrai que je récupère en signé. Oh. En vrai, il y a moyen que je récupère en signé. Ou Adéo. Allez. Oh, Adéo, il est trop classe. Il est trop On a un classe. co. Enfin, c'est que un co rare droit à la Ouais. gorge. Montagne très La jolie. montagne. Mythique. Ouais, mythique, bonne Le... carte. Ça c'est rigolo ça. Oh bah tiens, Le le Templier. foil.
Mais non. Ouais, ça a l'air beau ce que t'as fait. Attends, ne dites pas ce que c'est. Ouais, je sais. Ezio. Ezio en... du deck de structure, enfin du deck de débutant. Et un truc. Et pour... un truc. Ok. Ah, un quartier général de la confrérie. Non, il existe pas comme ça. Attaque surpuissante. Propagande. C'est pas mal. C'est une bonne carte. Demios. Le beau marais. Ouais, ils sont très beaux les termes. On attend un petit peu comme ça, les gens le voient. C'est Londres. C'est un marais. C'est du CLC. Ah bah c'est le fameux truc combo avec Paria ça. Ça. Ensuite, le quartier général de la confrérie. En foil. Et un Altaïr. Tu reviens. On est à une mythique chaque. Elle n'est pas en texturé, c'est pas la texturée, mais. Et c'est les bon. Texturés, c'est réservé aux sorts collecteurs de ouais. Ah oui, c'est ça. Et le dernier, la pyramide. Reconstruire l'histoire, qui est un reprint, ça je crois. Ah bon ouais, Zio, donc la version du deck. Ouais. La fiole. Très la belle plaine. Evie. Tu vas voir une mythique, non, on a tous l'air des mythiques. Propagande foil. Propagande foil, c'est cool. Rigolo. Pas de mythique, non. Bah Lydia, la mère du coup. Et la salle de Valhalla. Illustration. Moi qui n'y connais rien, je suis content de moi. La personne qui apprend le plus à Assassin's Creed, elle a eu mon bon booster. Ouais, 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 c'est un peu l'idée. 4 boosters, 3 mythiques, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça, on va dire le contraire. Vraiment joué en plus. Ouais. Donc ça, du coup, ça c'est le tien. Vas-y. C'est le tien qu'on ouvre. Vas-y, à toi l'honneur. Hop, le beau bundle. Déjà une petite illustration. Hop là. Oh, le bundle est beau. Hein. Le bundle est magnifique. Oh, oui, le colisée. Très très beau. Hein. Ouais. Alors petite info, le bundle et les booster collector sont en rupture fournisseur à bon entendeur. Ouais. Le beau petit dé. Avec la petite promo. Alors comment on l'ouvre ça ici? Yep, alors. Donc l'assassin du coup. Assassin royal, d'accord. La promo. C'est marrant, ouais, bah c'est royal. Du coup, c'est bien. Après, ouais. Tous les landes. Ah, bah, je vais être obligé de me prendre un bundle, c'est sûr. Ah, ils sont trop beaux, les landes. Hein. Ils sont tous vraiment. En foil, ils sont tous en foil, ouais. Celui-là, celui-là, il est, beau, est hein. Si beau, celui-là. Ouais. J'aime bien les villes, mais c'est vrai que les couleurs sont très belles. Ah, bah, celui-là, ouais, l'Egypte, celui-là, j'adore. Ah, ouais. Oh, puis en vrai. Attends, faut que je... Ah oui, on voit bien le feu sur les drapeaux. Regarde le feu sur, ouais, le sur les drapeaux et le mana et tout, c'est incroyable. Hein. Quand il y a des détails, ça change tout. Hein. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait des détails? Et les mêmes versions non foil du coup. Rien que pour ça, le bundle, il vaut le coup. Ouais. Ouais. Bon, allez, on va. Ça, c'est une carte mythique des tout débuts de Magic. Hein. C'est très très fort. J'ai fait voir aussi que dedans, il y avait Fatal Push qui était réédité. D'accord. Ouais. On est ici, droit à la gorge. Ah ouais. Ouais, messieurs, ouvrez-en en petit aussi, messieurs. On a l'archer. Bah allez, si tu veux des mythiques, faut pas que tu les ouvres tous. Ouais, c'est ça. Effet de transfert. Ou c'est voilà, là, voilà. Ouais, il est bien le dessin en plus. J'aime bien l'art en plus. Hein. En plus, il y a eu un petit peu de mal à voir le booster. Mais bon. Oui. La forêt. Non, pas mythique celle-là, mais très bonne carte celle-là pour les decks dieux. Oh oui, ça c'est beau ça. Le quartier foil et encore Lydia. Que t'as déjà ouvert. Que j'ai déjà ouvert. Je pense que tu vas peut-être être coton sur le booster. Parce que je sais pas ce que c'est. Abrasia. C'est le bateau. Ouais. Abrasia, là je suis bien. Menu Larsen. Petit Larsini, c'est cool ça. Roshan. La belle île. Plaine. Oui, plaine. Ouais. Couverture à plaine, c'est une autre carte. Ouais. Ouais.
Bundle Point. C'est pas que dedans, il y a aussi Black Market Collection aussi qui existe. Oui. Prépare-toi. Et bim. Oh, let's go. En full art foil. Ça, c'est beau. Je sais pas si c'est une bonne carte, mais elle est belle en tout cas. Elle est, en vrai, elle est cool. Elle est très très cool. En plus, il y a des petits détails sur ça. Ah non, le foil est très très beau. Elle est mieux en foil comme ça. Si en booster collector, elle sera tellement full foil. Attention. Mythic foil. Droit à la gorge, bonne carte. La Shaojun. Oh, ils sont beaux les terrains. Ouais, non, mais les terrains. Etam. Je passe en foil, c'est bien. Hein. Et devinez, c'est quoi après? La même que j'ai ouverte. Mais pas foil. Du coup. Ah, le petit Altaïr. Hein. Allez, l'enchaînement d'assassinat. Hop. L'arc. L'adepte, la plaine, Abstergo, pas foil, la petite dessin crew en foil. Oh, il est beau lui aussi. Hein. Oh là là. Le dévoilé comme ça. Et un jeton copie. Ah ouais, les jetons Leonardo. Enfin, Léonard de Vinci. Non, il n'y a rien derrière. C'est l'annonce du Secret Lair. Oui, il en reste 4, messieurs. C'était pas précisé de Vinci. Oui. C'est vrai que... Hop. La piraterie côtière. La Lydia en pas full art. L'âme fantôme, j'aime beaucoup cette carte. La montagne. Le bâton d'Eden, très très cool de l'avoir. Le petit templier... Hein. En foil, ouh, c'est beau ça aussi. Le petit Roshan. Je suis presque déçu par le dé, il est pas géant. Ah oui, c'est pour les cartes qui, je sais plus en français, cloque. La mutation. C'est caché, ouais, c'est face cachée, c'est ça. Les cartes que tu mets face cachée en 2-2 avec Ward 2. Ouais. Ah, du coup, le token. Du coup, j'avais pas vu les tokens, donc c'est très très cool. Ah, la chute, j'aime bien cette carte aussi. Hein. L'inventeur loyal. Révélation des dieux. La belle île. Connexion du marché noir. Ah, c'est très bien. Hein. Oui. Le petit défenseur foil. Cormac. En full art. Et encore une copie. Connexion du marché, c'est pas mal. Oui. Très très bonne réédition. Ouais, la première fois que j'ai lu, j'ai trouvé ça pas ouf, mais en vrai, non, c'est une bonne carte. Hop. Relancer la séquence. Le Templier non foil. Enfin, un deck full Templier. Le Pass to Exile. La Forêt. Bayek de Siwa. La Meule de Fond foil, let's go. Oh, ça c'est beau ça. Petit Léonard de Vinci, en full art, pas foil, mais c'est une mythique qu'on prend. Et le petit jeton Assassin Menace, qui est très très beau. J'aime bien le petit... Hop. Tu me relances en booster collector, ça va plus que numéroté. Ouais, c'est pas grave, on ouvrira Socrate en numéroté. La lame de Bot Socrate, j'aime beaucoup cette carte aussi. La vision d'aigle... Bataille du pavillon noir. Oh, ça c'est très très beau ça. Attends, du coup, il n'y a pas le terrain de base. Le Ezio en. Ouais, parce que c'est à la place du terrain de base, ça du coup. Okay. C'est soit le terrain de base, soit ça du coup. Donc, c'est celle que je voulais absolument, donc très très bien. Le Senu. Le Desmond en foil, ça c'est très très cool aussi. Ah bah, du coup, on peut les avoir en foil, ok. Donc, oh, en plus, le foil, oh, j'aime bien. Il y a l'épée qui ressort derrière. Ouais. Ouais, le feu il est très très beau hein, pour le coup. Magnifique les cartes. Ouais. Et. Cassandra. Ouais. Et le petit dernier. J'ai mal ouvert, mais bon, c'est pas grave. La lame crochet. De révélation. La propagande. Le dévoilé. La petite forêt,
Oh, ma carte préférée, yes, let's go. La carte avec Junon. L'attaque surpuissante en foil. Alexios, le Demios de Cosmos. Allez, je te souhaite un deuxième. Là, ça. Et du coup, voilà pour le bundle. Globalement, le bundle était plutôt goûtu. Le bundle était délicieux. Je voulais peut-être ouvrir un booster collector, toi. Ouais. Bah vas-y. Parce que moi j'achèterai une boîte à part, donc ouvre ton truc, prends la meilleure carte et moi j'achète une autre boîte. Donc tout ça c'est à toi. Ouais. Du coup je sais très bien que si je joue une grosse carte, on va me la raqueter. Allez, un petit booster collector pour le fun. Et ça, c'est, ouais, c'est les autres boosters. Non, ça, c'était ceux-là aussi, je crois. Ah, c'est ceux-là aussi. Ouais. En tant que des. C'est des 4 boosters. Ouais, ils sont déjà là-haut, les autres. Ouais, j'ai pris un booster collector. Il y a des boosters collector à l'envers, dans la boîte. C'est étonnant. En fait, les deux devant sont à l'endroit, et le reste est à l'envers. Là, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a signe. Deux numérotés. Hein. On se coupe. Et. Alors, la tenue de la confrérie, un homicide foil, les Azish du Valhalla. Ouais. Oh, le Alexios foil. Oh, il est joli. Oui, il est très très beau. Inventeur loyal, c'est une bonne carte ça aussi. Ouais, je suis dégoûté. Ouais. Petit marais. Petit marais foil, avec tous les petits détails, ça fait plaisir. Sean et Rebecca, c'est une carte Excalibur en full art, carte bien débile d'ailleurs. Ouais, la lance de Leonidas en foil, c'est nous le Cénu, et derrière un token assassin et avec le faux boss. Oh, c'est un poney. Moi, ouais, il est joli. Le beau petit poney. Il est très très beau, le booster collector. Les booster collector qui s'ouvrent bien. Ouais. Vas-y, je vais en ouvrir. Alors. Relancer la séquence. Adawale. Ezio. Art base, lame crochet en etch, un beau marais, un marteau, la caducée, Ava d'Alexandre, Aya, la femme Aya d'Alexandre, Aya Nakamura, Sigur en etch, et derrière c'est le titre quoi, et un token assassin. Humain et gredin. Hop, et voilà. Du coup, tout ça, ça sort le 5 juillet. Vendredi 5 juillet. Donc, nous avons tout en stock. Allez, bougez bien!